Hello hello, on se retrouve pour un nouveau tuto sur le nouveau raid Origine des cauchemars de l'extension Eclipse. Aujourd'hui, on va parler d'un coffre secret caché dans le raid. Il y en a trois au total, celui-ci est surnommé le coffre rouge et vous pourrez l'ouvrir depuis la salle du boss. Mais attention, pour le débloquer, il va falloir réaliser une série de petites actions que je vais bien évidemment vous expliquer. Pour commencer, vous allez devoir trouver cette zone et retenir l'indication de couleur donnée par les trois boules. À savoir que l'ordre des boules se lit de gauche à droite. Ici par exemple dans cette séquence, nous avons la couleur blanc, blanc et noir. Par la suite, il va falloir réaliser le même mécanisme que celui que vous avez appliqué tout au long du raid, c'est-à-dire vous trouvez sous la boule de la couleur correspondante, tirez dessus, cela va vous donner un buff plus une indication de direction, vous vous rendez sous une autre boule, vous tirez dessus à nouveau et l'étape est validée. Il va donc falloir réaliser cette action dans trois zones bien distinctes. Et je vous laisse donc la suite de la vidéo en musique afin de vous laisser découvrir les différents chemins à réaliser pour atteindre les trois zones. N'oubliez pas, à chaque fois la mécanique sera la même, vous tirez sous la boule de couleur correspondante, donc vous verrez que dans notre schéma nous avons commencé par la blanche, puis la blanche et enfin la dernière noire, et le coffre sera ouvert dans la salle finale du boss. Petite précision, si vous faites une erreur au moment de vos différents parcours, eh bien le coffre n'apparaîtra pas à la fin. Vous n'aurez donc pas le droit à l'erreur en sachant que les trois différentes zones mentionnées dans cette vidéo seront toujours les zones en question où se trouvent les boules. Autre chose, si vous êtes sur la bonne voie, une phrase apparaîtra en bas à gauche de votre écran qui dira « Vos actions prennent racine ». Je vous laisse donc découvrir les trois différentes zones en vidéo et je vous retrouve très prochainement pour d'autres tutos sur Destiny 2. Ciao tout le monde !